Bonjour, Kenway. C'est une jolie petite embarcation que tu as là. Je te sens un peu envieux, Hornigold. T'es jaloux? C'est parce que j'en ai une plus grande que toi? Non, c'est à cause de ce tabac jamaïcain. Je préfère encore l'espagnol. Alors, comme ça, tu t'es trouvé un joli petit brick. C'est bien. Mais je vais devoir t'apprendre à t'en servir. Et à donner l'assaut comme un vrai pirate. Satch, on te retrouve au vieux village de pêcheurs. Ouais. Où est ton timonier, Kenway? J'aime tenir la barre de mes navires, Ben. Ça tient l'essence en éveil. Allez, il est temps d'avancer, tu crois pas? J'ai pas besoin de tes leçons. On a fait combien de prises ensemble, du temps où on était corsaire? Il y a une sacrée différence entre participer à une attaque et la commander. On cherche des navires marchands, les gars! Des navires alourdis par leur cargaison! Prends cette longue vue et trouve-nous un schooner, Kenway. Voilà une prise digne de ce nom. Parfait. Rapproche-nous! Une fois que t'as acculé ta prise, tu dois incarner l'autorité et imposer plus de respect que tu t'en accorderais à toi-même. Ça mettra les esprits faibles sous toi. Pour avoir l'impression que tu peux exploser comme un diable. Et ils s'ouvriront d'eux comme des fruits mûrs. Utilise tous les canons que tu voudras, et n'hésite pas à les rentrer dedans. Mais pour l'amour de Dieu, ne le coule pas. Pêcher une cargaison est chose pénible. Mais impossible. Tengo un buen día, señor. Je suis le capitaine Hornigold, et voilà mon équipage. Comme vous, nous sommes des marins, mais nos desseins sont bien différents des vôtres. Car nous entendons vous dépouiller de tout ce que vous avez. Mais il ne sera fait aucun mal à tous ceux qui sauront se montrer dociles. Est-ce que c'est clair? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. L'un d'entre vous parle ma langue? Personne? Oui, un peu. Dis à tes amis qu'on veut la cargaison et qu'on ne fera de mal à personne tant qu'ils seront immobiles comme des bancs de sable. T'as compris? Ah, vous pouvez répéter? Oh, nom de Dieu. Enfermez-les dans la cale et prenez tout ce que vous arrivez à soulever. Celle-là et tu seras tranquille pour un an. Maintenant, on va vendre cette cargaison et récupérer quelques babioles pour ton jacquard. Tranquille pour un an? Ce que je veux, c'est être tranquille pour toute la vie. Devenir le roi des Caraïbes. Si on a choisi de venir à Nassau, c'est justement pour échapper au roi. Alors, je serai un homme de propriété, plein de promesses. Mon Dieu, cesse de rêver, mon gars. C'est à Nassau qu'il faut vivre. Pas en Angleterre. Tu ne rêves jamais de faire une prise légendaire. Un navire tellement chargé de richesses que tu n'auras plus jamais besoin de rien. Si, mais ce n'est qu'un rêve. Chacun espère trouver des dizaines de... Mais ils sont aussi rares que les rois honnêtes. Ouais, un nez à contre.
ordinaire. On a récupéré des choses qui permettront d'améliorer le navire. Sur tribord, capitaine. Un survivant. C'est bon, capitaine. Réduisez la toile. Allez, toute la toile. Perlez tout. Cargué serré. Debe de estar loco. ¿Puedo ayudarlo con algo?